Grand maître, je suis passé au cabinet plusieurs fois et je vous ai absenté. C'est vrai, Zozo, la loi. Je suis toujours parti chaque début de semaine. Voyez-vous, j'ai de très grands procès de l'autre côté de la région. Alors, je dois les suivre. Et quand je reviens en fin de semaine, c'est pour me reposer. Dites-moi, il y avait un problème? Grand maître, j'avais un petit problème et je souhaitais votre aide. Il fallait voir avec ma secrétaire. Vous faites l'ouverture du dossier et le reste, on va suivre. C'est aussi simple que ça. Grand maître, vous savez, vu les relations personnelles que j'ai avec vous, j'ai souhaité vous rencontrer pour qu'on en discute. Ne me dites pas quand même que vous voulez faire comme certains justiciables qui n'aiment jamais payer l'ouverture du dossier. Écoutez, Zozo la loi, je suis maître Luc avocat au barreau et j'ai des charges. Ne fonctionnez plus comme ça. Comme ces personnes, même quand vous suivez leur dossier à la fin, payer vos honoraires, c'est tout un problème. Grand maître, vous savez, la relation qu'il y a entre nous vaut plus que ce que vous pensez. Ah, vu nos relations, c'est ça? Parce que nos relations payent le courant, ou bien payent de l'eau, ou bien m'aident pour le loyer. Écoutez, vous devez changer avec les justiciables aussi. D'accord? D'accord, grand maître. Je voudrais connaître un peu plus sur la ratification concernant les droits des enfants. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que demain, c'est samedi. Mais on peut se retrouver au cabinet. Parce que j'y ferai une tour question de voir ce que mes collaborateurs ont fait des dossiers que j'ai laissés avant de partir. D'accord, je vous laisse vous reposer, grand maître. Et passez une bonne journée. Pareillement. Merci. Il a quoi? Hey! Encore? Même pas 2 jours. Il y a l'enfant là, ouais! 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 Pourquoi il me fait ça? Le salaire ne va pas passer! Le salaire... Oh! 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 Ouais! 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 L'enfant là, ya! Ya! Dis-lui ya! Dis à l'enfant que j'ai dit ya! Hein? Ça c'est quoi? J'ai compris. J'ai compris. Wow. J'ai compris. Merde. L'enfant, ton homonyme encore, patron. Quoi? Ton homonyme encore. Rechuté. Je suis vraiment désolé, mais on va voir ça après, d'accord? Je vais voir quelqu'un dedans là pour quelques minutes. Patron. Et après, on se met en route. Patron. Oui. Mais quand tu me vois, tu ne sens pas que j'ai... Tu ne constates pas, tu ne constates rien. Mais je ne suis pas ta femme, Fingon. Tu dois poser cette question à ta femme en sortant. Mais tu vois pas que j'ai perdu le poids, regarde. La chemise qui était comme ça le matin, regarde. Tout ça, c'est dedans. Attends, dis-moi, où veux-tu en venir? Yeah, patron, yeah. Yeah, c'était les choses de la chefferie, c'est que tu as compris. Quand tu me vois, regarde, tu vois que le noir là, est parti. Vraiment, je n'ai pas le temps à perdre. Qu'est-ce que tu veux par là, dis? Patron, moi, c'est moi, j'ai plus vertige, comment? J'ai le vertige. Et le matin, en sortant, tu n'as pas pris le petit déjeuner. Tu connais ça? C'est le soir qu'elle prend le gros déjeuner, avant de dormir une fois. Tu n'as rien mangé, rien. Mais Fingon, tu n'as pas mangé hier avant de dormir? Manger quoi, papa? Manger quoi? Je suis rentré à la maison, j'ai vu ma femme a fait que 2 petites prunes que j'ai sucé, j'ai dormi. D'accord, donc tu veux manger? Voilà. Va au restaurant, tu manges, on se retrouve ici dans 15 minutes. Yeah, yeah! D'accord. Ouais, tinim, tinim. Yeah, tinim, tinim. Ah, meuf. Hey, ya, 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 ya. Merde, Fingon ne changera jamais. Ça fait des heures que je l'attends. Pourtant, il sait bien qu'on a un déplacement à faire. Hein? Ça devient même quoi, là? Oh. Regarde, regarde. Avance. Tu vois. Mais je vois quoi? Ouais. Quand tu mets dans un restaurant, tu n'as pas d'argent. Mon frère, pour la nourriture, mon frère. Ah, ok. Pour la nourriture. Qui t'a envoyé là? D'ailleurs, toi, il faut lui dire, il ne m'amuse pas. On nous paye avec quoi?
ça va, je vais prier. Tu as déjà pris mon téléphone, non? Calme-toi. Tu as pris mon téléphone, non? Est-ce que je t'ai dit que allons, je paye? Allons, on part devant. Mais si tous les clients venaient manger pour dire que allons, je paye, c'est que on met combien de gardiens derrière chaque client? Je dis que allons devant un kiosque agrégé où on sort l'argent. Je sors l'argent, je vous paye. Tu n'es pas sorti pour venir avec pour 22 000, c'est quoi, mon frère? 22 000, c'est quoi? 22 000, c'est quoi? D'ailleurs, toi, il parle trop, hein. Mon système, pour talent, peut se lever là. Ça va, ça va. Calme-toi. Ça va, c'est bon. C'est bon. Allons. Mais toi, tu as de me bousculer, hein. Regarde. On m'a souci là-bas. On m'a tué là. Je suis pas en santé, mon frère. Moi, d'abord, que tu vois, je suis malade. Et vous savez, d'abord, deux petits poissons comme ça, les tétards, petits tétards. D'ailleurs, toi, je vais le massacrer. Mais quand toi, tu es arrivé au restaurant, tu as vu quelqu'un habillé comme toi là-bas. Pourquoi tu es brut comme ça, mon frère? Pour la nourriture? On m'a entraîné pour ça, monsieur. Si c'est pour faire la tontine. Eh, ya, 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 ya. Oui, allons. Alors, il a dit qu'il va payer. Oui, alors, allons. Doucement. Hey, c'est comment? Je suis responsable, hein, mon ami, je dis. Tu nous amènes qu'à l'hôtel. Va l'argent, non? C'est quoi? Allons, dis, voilà mon patron. Allons, allons. Voilà, c'est bon. C'est ça là-bas. Voilà maintenant. Merde. Vous me manquez le respect. T'as boussole maintenant, hein? Oui, c'est ça là-bas. Ça, c'est. Ici, restez là-bas, hein? Voilà mon patron maintenant. Arrête ça. Fingon. Qu'est-ce qui ne va pas? Patron, comme tu m'as dit le matin d'aller manger là. Hé, hey, papa, j'ai enterré mes deux petits tétards. On met dans le plat, je mange 22 000. Il prend le téléphone, il dit, tu vas payer. Fingon, je t'ai dit le matin qu'on devait voyager. Ça fait 2 heures de temps que je t'attends. Yé, yeah, patron, le type-ci, pour 22 000, il m'a chaudifié. Il m'a chaudifié, lui. Il me bascule, il me... Mais te laisse. Voilà ça, pas d'accord. Petit 22 000, que c'est quoi pour lui? Boss, le monsieur est venu à l'hôtel ce matin. Quand on l'a vu, on s'est dit que c'était un responsable. C'est vrai que son habillement donnait à douter. Il est venu s'installer au restaurant. Il passe la commande, on lui sait à manger. Mais il finit de manger depuis 4 heures de temps. Il nous dit qu'il attend quelqu'un. On ne voit pas la personne. Maintenant, il nous dit qu'on peut au guichet sortir l'argent et il nous débarque ici. Vous n'avez pas ça. On va vous payer. Et je t'appelle depuis ton téléphone ne passe pas. Michelin a pris le téléphone. Il est éteint. Ça fait combien? Petit 22 000. Petit 22 000. Que c'est quoi pour lui? Que c'est quoi pour lui? Vous savez qui il est? Les rats. Arrête ça. C'est 22 000, boss. Groupe de rats. Dans le téléphone là. Je sais ici. Oh. Ça fait 25 000. Gardez la monnaie. Merci beaucoup, boss. Voilà, les lépreux. Mais tu as été remarqué, hein? Raton. Moi, comme il est malheureux. Et toi qui es malheureux. Déchet de vie. Et tu fais là, le groupe électrogène. Ici, tu te gonfles. Tu deviens petit comme ça. Salopard. Crion, le gâteau Kumba qu'on vend dans les péages, 200, 300, tout n'est rien. Tout n'est rien. Donc, il croyait que 22 000, c'est quoi? J'ai dit que, hey, les patrons vont payer. Les patrons vont payer. Que c'est quoi? Que c'est quoi? Il a été le téléphone, je vais allumer maintenant. Hey, tu m'as appelé? C'est Michelin qui a été le téléphone, hein? C'est lui. Il a été le téléphone. Bon, je suis rassasié, on parle. Fingon, dis-moi, pour qui tu te prends? Comment encore, patron? Hein? Comment encore? Je suis ton patron ou bien je suis ton ami? Hé, hey, patron, comment encore? Ça, je t'ai dit le matin que j'avais faim, j'avais les vertiges. Mais tu m'as demandé d'aller manger, je suis parti manger à l'hôtel où je te laisse avec ta copine, non? Dis-moi, tu manges où habituellement? Yé! Chez Marie Martha, non? Le plat chez Martha coûte combien? Hé, hé, Martha! Martha sabote parfois les plats. Conchap! Avec un peu d'indolé, un mélange, c'est 400! 400. Maintenant, le jour où elle a fait, alors, tu vois la banane malaxée, elle décide de faire le truc, elle te met un peu de légumes dessus là, c'est 600. Donc, elle varie ça comme ça. Et au lieu d'aller chez Martha aujourd'hui, tu es allé dans un restaurant classe pour supprimer ton organisme, c'est ça? Hey! Hein? Donc, patron, donc les endroits qui sont climatisés, c'est bien pour vous, c'est bon ou quoi? Hey, ya, patron. Tu peux manger 22 000 seul? Patron, c'est où je te laisse avec ta copine, c'est où vous mangez. J'ai dit que bon, comme tu as demandé... Et c'est ton niveau là-bas? Ton salaire, c'est combien le mois? 35 000. 35 000. Mais maintenant, avec les frais de commission, tu m'as dit qu'il y a les mois où tu peux me mettre 9 000. D'accord. Je viens de donner 25 000 pour ce que tu as mangé. Tu as donné le pouvoir, tu ne m'as pas demandé, patron. Tu ne m'as pas demandé. Et si tu m'avais payé mon salaire depuis 4 mois, j'aurais dû gérer ma facture moi-même. Voilà ça que ça a commencé. Maintenant, tu veux couper. Ta copine qui mange là-bas tous les jours, tu coupes où? Tu la fermes. Ça te regarde? Ouais, c'est ça maintenant.
Allons pas. Attends, ta vie entre mes mains, hein, papa. Demain, on va. Allons. Allons. Allons, non? Allons.